Ok. À plus. Bonjour, je suis désolée. J'ai un peu merdé, j'ai été obligée de rebooter, désolée. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Oui, on Oui, t'entend. oui. Tu as une conférence en ligne? Voilà, je l'admets. Pierre Fischoff. Hamza. Bon, j'admets tout le monde, mais il y a des gens que je ne connais pas. Normal. Ouais. Bonjour. Allez. Voilà, je suis désolée, hein. Voilà, mais attends. Jonction en cours pour toi. Ça arrive, ça arrive. C'est bien, oui. Voilà. Il y en a encore en attente. Voilà, Jean Pelletier, Nicolas Trève, Alain Coulon. On arrive. Voilà, tout le monde est là? Les micros Ah sont. ben, Henri Chéri. Bonjour, Henri Henri. Chéri. Moi, je suis là. Comment tu fais ton télévente? Alors, attendez, attendez, parce que. Bonjour, on se retrouve tous. Bonjour. Oui, on était en réunion juste avant, Henri. C'est pour ça. D'accord, Donc d'accord, d'accord. là, nous avons 22 Bonjour. participants. Véronique, je ne Oui. comprends pas ce qui se passe avec mon image. Ton image. Attends, tu peux demander à Nicolas pendant ce temps-là? Nicolas, Quelle image, hein? Qui parle là? c'est Pierre qui parle. Il faut que tu C'est mettes. Pierre. Paramètres, il faut que tu mettes lancer la vidéo. Caméra. Ah, ça y est, j'ai vu l'icône. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. En bas à gauche. Eh ben voilà. Hello. Voilà. Super. Je vais Non, partager j'en ai essayé de l'écran. me mettre en réunion sur Internet avec des gens. Il y en a qui ont des. On est nombreux là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22. 9, 22. 22. 22, oui. C'est un bon départ. Il y a plus, plus on regardera de la. échanges contents. Je t'embrasse, bonne soirée. Ah oui, il y en a qui Bonjour, sont. c'est à plus. Nicolas Trève. François est dans son canapé avec madame. Bonjour. Tout va bien. Comment Bonjour. ça avec ta dame? Ah oui. Bonjour Françoise. Bonjour Oui, François. tout va bien. Françoise. Bonne santé à tous. Bravo Un pour plat. la réalisation. Oh là là. ce sera Est-ce que vous pouvez couper vos caméras maintenant qu'on vous a tous vus? Parce que là, j'arrive plus à bouger mon PowerPoint pour le partager. Ça marche. Ok, ça marche. Tu veux qu'on arrête Sauf les caméras, c'est ça? Henri, Non, tu restes visible, Henri. Mais les autres, il faut qu'ils coupent leurs caméras. voilà. Henri. Bon, bah, bonne nuit alors. Ouais. Et on coupe les caméras alors. Oui. Véronique, le transparent, c'est moi je l'ai sur mon PC. Ah bah oui, mais bon. Présentation. Oui, mais bon, moi je l'ai là aussi, je l'ai ouvert. Il n'y a Oui, mais plus qu'à partager. je préfère D'accord. avoir le mien. Je préfère avoir le Okay. mien. Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'enregistrer? Oui, Ah bien oui, sûr. surtout, surtout. Et c'est déjà en cours d'enregistrement. Donc Faut vous êtes surtout enregistrer. enregistré. C'est pas Il faut que vous vrai. sachiez. Et alors attendez, j'admets encore deux personnes. Voilà, donc on est 24. Hélène, elle est pas là. Voilà, nous sommes 24, 25 avec Françoise. Ils sont partis. Alors,
Est-ce que Henri Chély a besoin de voir ses interlocuteurs ou pas? Non, c'est bon. Non, d'accord. On verra. On peut même peut-être couper le son, à part Henri et peut-être moi. Et celui qui a envie de parler, il le rallume, mais... D'accord. Allez, on se coupe. Ouais. Il ne faut surtout pas que tout le monde parle en même temps. Voilà, c'est voilà. Ça. Ok. Lévi. Donc, je vous propose de partager l'écran pour vous présenter le livre. Véronique, tu l'enregistres et tu m'enverras l'enregistrement. Tu n'as pas ton micro, hein, il n'entend pas la réponse. Ah oui, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Ou tu me donnes l'autorisation d'enregistrer, à ce moment-là, j'enregistrerai sur le mien. Ah oui, alors je ne sais pas faire ça encore. Bon, c'est pas bas. Est-ce que toi, tu enregistres? Oui. Ok, donc c'est très bien. Et à ce moment-là, tu me l'enverras, ok? Oui. Alors, je vais vous faire partager mon écran. Ah, il y a déjà quelqu'un qui partage. Véronique, tu partages? Oui, je suis en train de partager. Tu enlèves, c'est moi qui vais partager. Ok, alors j'enlève le... Ce qu'il faut que je maîtrise, il faut que je maîtrise l'évolution. D'accord? D'accord. C'est moi qui vais taper sur le petit... pour faire défiler, d'accord? Il faut que je te donne des droits. Ah non, je peux partager, normalement, il n'y a pas de souci. Ah bon, ben vas-y alors. Mais il faut que tu enlèves le tien. Je viens de l'enlever. D'accord. Non. Non, il y a des... non. Non, Véronique, tu n'as pas enlevé ton partage. Alors, je vais le faire, moi. C'est en haut, en rouge. Ah, arrêtez de partager. Oui, d'accord. Voilà. Ah, ça y est. Merci. Ok, allez, on va y aller. Ok. Il y a toujours des petits ajustements techniques, mais ce n'est pas grave. Oui, désolé pour le retard. Voilà. Voilà, partager. On va démarrer la diapositive. Voilà. Eh bien, nous y voilà. Donc, d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre association. C'est toujours agréable. C'est vrai que nous devions le faire en présentiel, mais les conditions font que, au moins, on peut le faire avec Zoom. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, l'objet de la réunion... c'est de vous présenter mon livre et les idées qui sont dans mon livre concernant les entreprises libérées. Ce que je dois dire au préalable, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est au-delà de tout ce qui peut être des clichés qu'on voit ici et là, notamment sur Internet et ailleurs, ou des idéologies. Il s'agit simplement là d'avoir une vision d'organisateur et de se dire... j'ai besoin de libérer mon entreprise, pourquoi, comment, et c'est l'objet de cette présentation, et c'est l'objet de mon livre. Alors d'abord, que signifie le terme « libérer son entreprise » Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent « en fait, on veut libérer, ça ne veut rien dire, l'entreprise, on n'a pas besoin de la libérer ». En fait, ce dont on veut la libérer, il ne s'agit pas de la libérer de ses contraintes intrinsèques de forme, de structure, de règlement ou de choses comme ça. C'est son champ d'action, il est ce qu'il est. Mais par contre, ce qu'on veut supprimer et ce en quoi on veut la libérer, c'est de tous les freins qui l'empêchent justement de développer sa pleine puissance, sa pleine capacité à se développer elle-même et à être présente sur le marché. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est une nouvelle forme d'organisation qui va permettre de s'adapter aux variations de l'environnement, hein, on le constate tous les jours, il y a des crises comme celles qu'on a aujourd'hui, mais il y en a d'autres avec des concurrents, etc. Comment faire pour réagir au plus vite à ces situations? Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à libérer l'ensemble des ressources de toutes les barrières, qu'elles soient organisationnelles, opérationnelles, relationnelles, et celles qui, effectivement, érodent l'efficacité et la performance de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de réagir suffisamment vite pour justement ne pas se laisser distancer ou déborder par une concurrence ou par une crise qui peut arriver à un moment ou à un autre.
Alors, en fait, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est partager une conviction que j'ai aujourd'hui, qui est que si toutes les entreprises, dans la décennie qui vient, vont devoir se libérer. Parce que si elles ne se libèrent pas, alors il y en a d'autres qui seront libérées, beaucoup plus souples, beaucoup plus libres, beaucoup plus mobiles, qui vont de toute façon les dépasser. La manière dont les choses se passent dans un environnement économique d'aujourd'hui fait que si on n'est pas suffisamment souple, on va se faire dépasser, qu'on soit petit, moyen ou grosse entreprise. Et donc, c'est à cela que on va essayer d'aider les entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à libérer l'entreprise? D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que je vais vous présenter, en fait, c'est basé sur d'abord à peu près 40 ans de conseil en entreprise, que ce soit sur le SI ou sur le management. J'ai travaillé pratiquement dans tous les secteurs, l'industrie, les services, les banques, les télécoms, les hôpitaux, dans l'administration, donc un petit peu partout. Ce qui est important, c'est que j'ai pu m'entretenir avec certaines entreprises libérées dont vous voyez apparaître les noms. Par exemple, Chronoflex est assez connu. Ils vendent des joints pour faire passer des fluides. Poult, c'est les biscuits, on le connaît. Je sais qu'actuellement, ils ne sont plus libérés, mais peu nous importe pour l'instant. Je vous expliquerai pourquoi. Et Bioz, qui est dans les domaines, dans le domaine du monde pharmaceutique, pour ce qui est tout ce qu'on a dans les intestins, etc., pour faire le biotope. Voilà, le biotope, je cherchais. Alors, en fait, quels sont les freins et les rigidités qu'on a mis en évidence et qu'il va falloir éliminer au fur et à mesure? Alors, on les trouve d'abord dans les structures. Les structures, on part d'une entreprise qui est structurée en silos. Donc, vous avez ici l'image. En fait, les rigidités qu'on rencontre, c'est quoi? On sait très bien qu'aux frontières entre les silos, il y a toujours des difficultés pour passer de l'un à l'autre. Il y a des difficultés, il y a des conflits qui vont se passer entre une direction et une autre. Souvent, c'est politique, c'est de positionnement, c'est de management, de positionnement au niveau de la comité générale, un comité de direction, etc., etc. Et surtout, dans beaucoup d'entreprises, alors c'est vrai qu'elles réagissent, on verra tout à l'heure, mais ça manque beaucoup, beaucoup de transversalité pour passer d'un silo à l'autre. Alors, il y a également des freins et des rigidités sur les opérations. C'est-à-dire que les opérations, ce qu'on appelle les opérations, c'est évidemment tout ce que l'on doit faire dans une entreprise pour répondre à une demande, qu'elle vienne de l'interne ou de l'externe de l'entreprise. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a d'abord le long des opérations, il y a un management hiérarchique qui vient justement de la structure en silo. Ensuite, dans les opérations, lorsqu'elles sont transverses à ces silos, eh bien, on assiste à des discontinuités qui sont autant de lourdeurs et de freins à la réponse que l'on peut donner à une demande, notamment d'un client. Il y a également une vision qui se retrouve très procédurale, c'est-à-dire que dans chaque silo, on a défini précisément ce qu'on fait, et à chaque fois qu'on va passer d'un silo à l'autre, il n'y a pas eu nécessairement de relation ou de mise en cohérence dans tous les cas qu'on peut rencontrer dans tous les cas de demande. Ensuite, dans les centres de décision, on sait très bien qu'il y a des centres de décision qui sont extrêmement hiérarchiques et par niveau, et on en trouve dans certaines entreprises plusieurs qui doivent intervenir au moment des opérations. Et évidemment, tout ça, ce sont des lourdeurs que justement on va essayer de corriger. Il y a également des obstacles. Alors ça, c'est juste le schéma, on le voit, hein, et les processus et les réponses se font dans les différents silos. Et on a également des rigidités qui viennent de la gouvernance. Pourquoi? Parce que la gouvernance, en fait, elle traduit justement la manière dont la structure est organisée, le management est organisé, les opérations sont organisées. Et donc, comme la gouvernance, normalement, c'est elle auquel il faut que chacun puisse, obéir d'une certaine manière, ou tout au moins respecter, eh bien, évidemment, elle contribue aux difficultés qu'on vient de voir. Enfin, il y a des freins beaucoup plus connus en termes de relations humaines. On sait qu'il y a, compte tenu de ce management hiérarchique, très souvent un repli sur soi, les individus disant « moi j'ai ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire, et puis c'est tout ».
il y a un isolement parce qu'en général, on n'a aucune conscience de ce qui se passe à droite ou à gauche de mes interventions. Je ne sais pas à quoi je contribue, etc., etc. Il y a également une défiance par rapport au management. Il y a du découragement parce que très souvent, on a mis en évidence des problèmes qu'on a rencontrés. On en a parlé une fois, on l'a soulevé trois fois. Et puis, finalement, rien ne se fait, donc on se décourage. Et finalement, on laisse les dysfonctionnements courir. Et ça, c'est quelque chose qui se rencontre très souvent. Alors, on est loin de cette image d'une ruche avec les abeilles qui communiquent en permanence. Alors, tout ce que je viens de dire, en fait, ça réduit l'agilité. Alors, évidemment, il y a des entreprises déjà aujourd'hui qui souffrent énormément de ça et dont certaines ont carrément disparu parce que justement, elles n'ont pas su se corriger et s'adapter. Alors, évidemment, encore une fois, ce n'est pas parce que on dit ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. En fait, ils ont tous le problème. Simplement, il est plus ou moins urgent de réagir et donc tous sont touchés, mais tous ne meurent pas. À mon avis, mon opinion, c'est que dans les deux décennies qui viennent, si les choses n'évoluent pas, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui devront fermer porte et laisser la place à d'autres beaucoup plus agiles. Alors, qu'est-ce qui amplifie ces rigidités? Pourquoi est-ce que finalement on vit avec ces rigidités? Eh bien, en fait, ça vient de plusieurs raisons. Il y a, par exemple, la formation des managers, même si aujourd'hui, elle a pas mal évolué, on parle quand même de processus, de nouvelles manières de manager, etc. Il n'empêche que le management hiérarchique reste toujours le modèle en silo reste toujours le modèle, et que lorsqu'on est manager, on vise à avoir dans une entreprise le plus de personnes à manager. Il y a certaines entreprises et administrations pour lesquelles le nombre de personnes qu'on a sous nous va déterminer le salaire. Donc évidemment, on va avoir tendance à aller dans ce type de structure. Ensuite, il se trouve que un certain nombre d'entreprises marchent très bien aujourd'hui et que comme elles marchent très bien, on ne voit pas pourquoi elles vont changer, faire évoluer la manière dont elles travaillent. On ne change pas une équipe qui gagne et ça, c'est une sacrée contrainte pour justement se préparer à l'avenir. D'autres choses qui se passent, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on voit par exemple qu'il y a une concurrence qui arrive, la générale, la réaction première est de dire on va créer de nouveaux produits justement pour se démarquer et concurrencer ceux qui veulent venir sur nos marchés. Le seul problème, c'est qu'on ne pense qu'à des innovations de produits et de procédés et que très rarement on pense à des innovations d'organisation, alors que c'est peut-être un élément concurrentiel extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a eu une communication du BCG là-dessus qui va tout à fait dans ce sens et qui dit bien aujourd'hui, les innovations d'organisation sont au moins aussi importantes et complémentaires aux innovations de produits. Voilà. Alors, dernière chose, évidemment, c'est que beaucoup d'entreprises maintenant se sont associées à des copy-touristeurs et des fonds de pension, lesquels veulent des rentabilités dans l'exercice assez rapide, et donc ça ne va pas évidemment faciliter une vision à moyen long terme de l'adaptation d'entreprise, des dépenses, des innovations et des investissements correspondants. Et ça, évidemment, c'est un sacré challenge à contrer. Alors, dernière chose, au niveau des systèmes d'information, en fait, on sait qu'aujourd'hui, ils sont très verticalisés, même si il y a effectivement des efforts pour travailler dans le sens de la transversalité, et il n'empêche qu'ils sont en général peu agiles. Il y a pas mal d'innovations aujourd'hui qui vont dans le sens d'une plus grande agilité, mais on est loin d'avoir toutes les entreprises qui ont largement mis en place tout cela. Donc, tous ces éléments vont faire que, en fait, ces rigidités vont perdurer. Alors, dans une organisation traditionnelle, elles sont difficilement surmontables pour une raison simple, c'est que ces organisations, elles ont une systémique qui est basée essentiellement sur une vision d'activité, de tâches, d'opération. On a des fiches de poste, on a des gens qui sont postés, ils savent ce qu'ils ont à faire, on les juge là-dessus,
le pilotage de l'entreprise va essentiellement sur des indicateurs d'efficacité des activités, même si encore aujourd'hui il y a quand même quelques indicateurs de processus qui commencent à remonter à la direction générale, mais ça reste quand même l'exception. Face à ces difficultés, on ne peut pas dire que les entreprises n'ont pas réagi. Elles ont réagi, elles ont fait un certain nombre de choses, parce qu'elles se sont rendues compte quand même. Les patrons d'entreprises sont suffisamment intelligents pour savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui posent problème. Donc on a par exemple réduit les strates hiérarchiques. On les a réduits, les fameuses pyramides hiérarchiques. Donc ça, on a fait des efforts là-dessus. C'est indéniable. Il y a également ce qui a été fait, c'est que on a par exemple travaillé sur le bien-être au travail. On a créé pas mal d'environnements adaptés, on a mis des directions du bien-être, etc., etc., ce qui améliore l'image de l'entreprise, son attractivité. Il y a eu quelques mêmes améliorations sur la productivité. Et on a également travaillé, on a mis en place dans certaines entreprises des démarches processus, d'accord. Mais donc tout cela, évidemment, a été fait pour améliorer justement et supprimer toutes ces difficultés. Mais le problème, c'est que ces actions ont été focalisées. Leurs effets ont été limités sur la réactivité par rapport à l'agilité globale. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces actions ont travaillé sur un seul levier. On n'a pas cherché à coordonner avec d'autres leviers. Ce qui fait que sur d'autres leviers, la rigidité, les freins et les obstacles ont perduré. Ce qui fait que, en fait, globalement, l'entreprise a eu du mal et a toujours du mal à réagir à toutes les attaques qui peuvent venir. Et c'est pour ça que, justement, on les trouve pas suffisamment agiles et qu'il faut justement agir sur l'ensemble de ces points de fragilité pour que, justement, globalement, l'entreprise puisse réagir. Par exemple, lorsqu'on a fait des actions sur le bien-être au travail, ce qui est une bonne chose, mais si on n'a pas travaillé sur les structures, sur l'organisation, sur les opérations, et sur la gouvernance, et sur les ressources humaines, eh bien, on aura beaucoup de mal à être suffisamment agile, même si les individus sont très heureux, il n'empêche que globalement, l'entreprise aura du mal à réagir. Alors, pourquoi, en fait, on a du mal à réagir ? En fait, parce que lorsqu'on veut se libérer, on doit agir de manière globale et cohérente sur quatre leviers opérationnels. Ces quatre leviers opérationnels sont tout d'abord les structures, c'est-à-dire la manière dont on a réparti les moyens et les ressources à la fois humaines et techniques. Il faut jouer là-dessus. Ensuite, il faut qu'on travaille et qu'on travaille également sur les opérations, c'est-à-dire sur la manière, la vision que l'on a, comment est-ce qu'on va répondre à toute demande que l'entreprise va recevoir, qu'elle vienne de l'externe ou qu'elle vienne de l'interne. Il va falloir également travailler sur la gouvernance de telle sorte que celle-ci ait évolué pour qu'elle prenne en compte toutes les évolutions qu'on va rencontrer dans les structures, dans les opérations, mais également dans une quatrième levier qui sont les relations humaines, c'est-à-dire là, c'est la manière dont les individus vont communiquer, interagir, travailler ensemble. Et ce qui est important, c'est que chaque levier va bénéficier, lorsqu'il va évoluer, aux autres leviers, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler sur un des leviers, eh bien, il va permettre à un autre levier d'évoluer. Par exemple, si on veut avoir des équipes autonomes, qui est un des buts de l'entreprise libérée, eh bien, il faut absolument, par ailleurs, maîtriser les processus, avoir du plaisir au travail, c'est indispensable, sinon il faut également que les strates hiérarchiques aient disparu. Donc on voit qu'il y a toute une conjonction d'efforts qu'il faut mener pour qu'effectivement on puisse se libérer réellement. De la même façon, si on veut avoir une orientation client, il faut évidemment travailler sur la satisfaction client et donc sur les individus dans la relation humaine, mais également il va falloir travailler sur les opérations pour qu'elles soient orientées vers cette satisfaction, etc. Tout cela pour montrer qu'il y a une conjonction de leviers sur lesquels il va falloir travailler pour qu'on puisse effectivement libérer l'entreprise. Alors, lorsqu'on a regardé
lorsque moi j'ai pu analyser, interviewer certaines entreprises libérées et regarder sur Internet tout ce qu'on pouvait avoir comme témoignage, il y a un certain nombre de choses qui émergent. La première chose qui émerge, c'est qu'il y a quelque chose de très important, qui maintenant est largement partagé et reconnu, c'est qu'il faut définir un bien commun de manière très concrète. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'on défend au sein de l'entreprise et que chacun va défendre dans toutes ses actions et dans toutes les décisions qu'il va prendre ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va s'appuyer sur une nouvelle systémique. Une systémique qui va être fondée sur ce qu'on peut reconnaître comme des processus de bout en bout. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder tout ce que l'on fait pour une demande client, on va regarder tout ce qui est nécessaire pour répondre à sa demande et cette demande va aller directement au client. Donc, on va prendre conscience de tout ce que l'entreprise enchaîne pour pouvoir répondre au client directement. Pas par petits bouts, mais l'ensemble. C'est ce qu'on appelle des processus de bout en bout et qu'ils viennent des clients, qu'ils viennent des employés eux-mêmes, qui viennent de partenaires, qui viennent de l'administration, etc., etc. Toute demande qui atterrit dans l'entreprise, on regarde globalement tout le processus qui est enchaîné pour pouvoir répondre à ces demandes. Ensuite, donc on va travailler sur ces fameux processus dont on voit un schéma là, il est un peu transformé parce que mon PTT ne marche pas très bien, mais enfin, il va du client au client et de l'employé à l'employé. Et c'est toute les actions, les activités ou les tâches qu'on doit faire, ils doivent être intégrés dans ce processus. Et ce qui est fondamental, il y aura souvent des questions là-dessus, mais il faut également, si on va avoir des équipes autonomes, il faudra que les processus sur lesquels ils travaillent soient également autonomes de manière opérationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on exécutera un processus, rien ne doit l'empêcher d'aller au bout de la satisfaction du demandeur. Donc, les processus, ils sont libérés de toute dépendance avec les autres processus et ils doivent être confiés en totalité à une équipe de telle sorte que processus autonome va avec équipe autonome. Ensuite, donc, on a parlé des structures, on vise à structurer les ressources en équipe autonome. Chaque équipe autonome va avoir en charge une famille de processus. Et on arrive à une structure telle que vous la voyez là, c'est-à-dire que vous allez avoir ici dans les ovales, on va avoir chaque équipe qu'on voit là va avoir en charge un processus ou une famille de processus et donc de manière totalement autonome. Quand une décision doit se prendre dans ces équipes, mais qui va avoir un impact sur d'autres équipes, alors on va créer ce qu'on appelle des groupes ad hoc. C'est-à-dire que chaque équipe qui va avoir un pilote leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va être en fait celui qui va orienter, aider, soutenir les travaux de l'équipe, ceux qui sont concernés, c'est-à-dire si par exemple ces trois équipes sont concernées par une décision qui peut se prendre dans une de ces équipes, les leaders vont se réunir avec éventuellement des équipiers. Ils vont se réunir, décider de manière consensuelle ce qu'il faut faire pour que le changement qu'on envisage soutienne le bien commun et convienne à tout le monde. Une fois que la décision est prise, les équipes retournent dans les pilotes et les pilotes leaders retournent dans leurs équipes, ils appliquent ce qui a été décidé et à ce moment-là, personne d'autre a besoin d'intervenir. Ces équipes sont autonomes et peuvent intervenir de cette manière-là et décider entre elles de ce qui est bon lorsque une décision les impacte les uns ou les autres. Vous voyez là également ce qu'on appelle un cercle. Alors, le cercle de niveau 1 ici, c'est un cercle qui va regrouper tous les pilotes leaders pour justement soit résoudre les difficultés que certaines équipes ont du mal à résoudre parce qu'elles ont conscience du bien commun toutes ensemble et donc on va essayer de trouver la bonne orientation à prendre et la décision qui devrait normalement être la bonne pour l'ensemble. Donc ce sont des conseils, des orientations qu'on donne, ce n'est pas du tout hiérarchique, mais c'est également des cercles. On va créer d'autres cercles qui vont être des cercles pour définir par exemple les investissements de l'année, pour définir la stratégie à moyen voire long terme, etc., etc.
Ceci, c'est un schéma général d'une entreprise libérée. Et ce qu'il faut voir, c'est que là, on va avoir ce genre de structure peut très bien s'appliquer à, je dirais, des PME, depuis la toute petite entreprise jusqu'à des PME, même relativement importantes. Par contre, lorsqu'on va avoir des entreprises plus importantes, ce n'est pas une contrainte et c'est tout à fait applicable. Simplement, ce type de structure-là va se multiplier au sein de la structure plus importante. On va avoir des cercles de niveau 1 dans différents endroits parce qu'on a des activités différentes, on a des produits différents, on a des régions éventuellement différentes. Par contre, il va falloir créer, ici on a un cercle de niveau 1, on va créer un cercle de niveau 2 dans lequel il va y avoir des représentants, ils vont être des délégués des cercles de niveau 1 qui vont aller au cercle de niveau 2 pour aller réfléchir justement à une cohérence, à une envergure beaucoup plus grande, parce que dans une entreprise plus importante, évidemment, on a besoin d'avoir des capacités de manager des ensembles beaucoup plus importants, et c'est des capacités que tout le monde n'a pas naturellement. Ça demande des formations, ça demande aussi avoir, je dirais, une grande capacité à maîtriser la difficulté de plus en plus haut. L'expérience que j'ai pu avoir dans des entreprises très importantes, des groupes très importants, voire internationaux, c'est que, a priori, à trois niveaux de cercle devrait largement suffire pour pouvoir couvrir les entreprises, quelle que soit leur dimension. En tout cas, j'en ai la conviction et ça ne doit pas être très difficile à démontrer si c'est nécessaire. Alors, la première réaction quand on présente ça, c'est de dire généraliser tout cela. En fait, c'est une idéologie, il n'y a aucune logique industrielle. Et en fait, pas du tout. Pourquoi ? Parce que en fait, l'agilité et l'intelligence collective, c'est des caractères indispensables aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, elle a besoin de cela. Et donc, la démarche que je défends dans mon livre, en fait, elle est applicable, quelle que soit l'entreprise. Il ne s'agit pas du tout d'idéologie, il s'agit simplement d'une logique d'organisateur, d'organisation industrielle, pour justement préparer l'avenir et la concurrence à venir. Alors là, juste une question, je vous laisse réfléchir, évidemment, comme on n'est pas en présentiel, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas vous laisser répondre les uns les autres, mais est-ce que vous savez quel différentiel entre une preuve et un ordinateur ? Eh bien, la différence, c'est que tous les deux disposent d'une unité centrale et d'unités réparties dans chacun des périphériques. Dans l'ordinateur, ce sont ses périphériques, chez la pieuvre, c'est la tête qui est là et puis ces différents tentacules. Mais dans un ordinateur, c'est l'unité centrale qui donne les ordres périphériques. Mais chez la pieuvre, chaque tentacule est indépendante. C'est-à-dire qu'elle est capable de réagir indépendamment de tout le reste, de manière totalement autonome. Elle peut réagir aux interventions de l'extérieur pour bouger, pour décider si elle est attaquée ou quoi. Mais alors que la mémoire centrale, c'est-à-dire en fait la tête qui est là, elle est là, elle coordonne les mouvements, faire en sorte qu'il y ait quand même une coordination d'ensemble, et elle assure la survie de l'animal. Eh bien, une entreprise libérée, elle ne se comporte pas comme un ordinateur, elle se comporte comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des organes centraux, mais qui sont là pour coordonner, pour orienter, mais chacune des parties, c'est-à-dire des équipes, elles sont autonomes et sont capables de travailler de manière totalement autonome. La démarche qui est proposée dans mon livre, elle permet de se libérer en quatre étapes d'évolution. Mais ces quatre étapes, en fait, elles agissent, d'abord, elles sont sur chaque axe d'action, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler sur l'axe, par exemple, des opérations ou de la structure, chaque étape va faire évoluer. Par exemple, les structures vont évoluer vers une structure en équipe autonome. Dans les opérations vont évoluer d'étape en étape vers des processus de bout en bout, de plus en plus autonomes et dégagés de toute dépendance, etc., etc. Donc, il y a une cohérence fonctionnelle sur chaque axe, mais il y a également une cohérence temporelle, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on est dans un équilibre pour l'entreprise entre chacune de ces dimensions opérationnelles, de telle sorte que l'entreprise, elle continue à fonctionner, son fonctionnement
est complètement homogène et cohérent et que les efforts qu'elle aura faits dans la première étape vont lui permettre de dégager des bénéfices qui vont lui permettre de progresser dans la deuxième étape, la troisième étape, c'est-à-dire que chaque étape va permettre d'apporter ces bénéfices qui vont justement justifier la nécessité et l'intérêt de continuer d'aller jusqu'au bout. Et ça, évidemment, c'est indispensable. Lorsqu'une direction générale veut prendre la décision de se libérer, elle est absolument concernée par le fait que l'entreprise doit continuer à vivre, à se développer et non pas à avoir une grande cassure pendant un temps incertain. Alors, dans cette démarche, la première étape va travailler sur la transversalité et la cohérence entre les individus. Alors, évidemment, je vous parle de manière ensemble, c'est pas, je ne vous parle pas dans le détail, évidemment, est dans le livre, mais c'est essentiellement là-dessus qu'on va travailler. Sur la deuxième étape, on va travailler sur la gouvernance pour faire en sorte que la transversalité devienne quelque chose de très important. Et on va piloter justement l'entreprise à la fois par ses activités, mais également par le transversal. Dans la troisième étape, on va justement mettre en place des équipes autonomes avec un management partagé, c'est-à-dire que les décisions vont être réparties dans les différentes équipes et dans les différents cercles. Et enfin, dans la quatrième étape, en fait, on va finaliser la libéralisation de l'entreprise en supprimant toutes les dépendances résiduelles, car il y en a toujours qui subsistent et qui sont assez lourdes à réfléchir. Et donc, ça demande une étape dédiée totalement à ces suppressions de dépendances résiduelles. Alors, pour mener cette démarche, il y a énormément d'instruments qui peuvent soutenir l'entreprise. Ce qui est important, c'est que tous les instruments qui vont soutenir cette démarche, en fait, ils existent aujourd'hui. On n'a pas besoin d'en créer de nouveaux. Il suffit simplement de les mettre en œuvre de manière cohérente en même temps. Alors, ces instruments sont quoi? Vous avez des instruments qui vont être méthodologiques. Par exemple, la démarche processus, c'est une démarche méthodologique. Mais il y a également, quelque part, l'holacratie, qui, même si c'est un outil, elle a en son sein quand même, c'est quand même une certaine méthode pour faire progresser l'entreprise, notamment ses relations humaines, mais pas seulement. Excuse-moi, tu peux rappeler ce que c'est? Ah, l'holacratie. Ah, je suis désolé, merci. Oui, l'holacratie, en fait, c'est un outil qui permet aux entreprises de mettre en œuvre une gouvernance qui va et un certain nombre de règles qui vont permettre à l'entreprise et surtout à ses relations humaines d'acquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance et une implication de réduire les couches de management, etc. etc. Voilà, donc c'est un outil qui existe et c'est IGI Partner qui aujourd'hui le met en place en priorité. C'est d'ailleurs des gens que j'ai interviewés qui sont dans mon ouvrage. Mais on pourra revenir sur des questions là-dessus tout à l'heure, si vous voulez, sans difficulté. Ensuite, il va y avoir des instruments d'amélioration des opérations. Ça va être, par exemple, des instruments pour travailler sur les processus, pour les décrire, pour les gérer, les diffuser, savoir quels sont les acteurs, etc., etc. Ensuite, il y a des instruments technologiques. Ces instruments technologiques qui vont avoir pour objectif, dans l'objectif de libéralisation, essentiellement pour réduire les dépendances, pour prendre en charge des décisions qui aujourd'hui peuvent très bien être prises par des logiciels et des algorithmes, mais également on peut avoir de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui peut probablement remplacer un certain nombre de décisions qui sont très longues et qui pourraient être prises de manière beaucoup plus rapide. Enfin, j'ai pris le terme d'instrument pour humain, évidemment, instrument, ce n'est pas le bon terme, mais ce sont un certain nombre d'outils qui permettent, par exemple, comment on gère une réunion, comment on obtient un consensus, l'holacratie, donc à nouveau, il va donner un certain nombre de règles et de façons de travailler, de définir sa gouvernance pour justement développer de nouveaux comportements. En résumé, l'entreprise libérée, c'est quoi? C'est une raison d'être qui est reconnue et surtout partagée, des structures en équipe autonome, des opérations organisées en processus de bout en bout, une gouvernance définie en commun et largement vécue par tout le monde,
et enfin des relations humaines qui sont dominées par un management non hiérarchique, une autonomie, une responsabilité individuelle, une confiance et une bienveillance de tous vis-à-vis de tous, les uns vis-à-vis des autres. Voilà, tout ceci est exposé évidemment en détail dans mon livre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prolonger un peu cette réunion en allant sur mon blog, libérersonentreprise.com. Vous avez là un QR code qui permet de s'y connecter directement. Voilà, c'est maintenant, si vous le souhaitez, on va passer à des questions. Donc, je vais redonner l'écran à Virginie. Véronique, pardon. Voilà. Ben, merci, Henri. Donc, j'attends vos questions. Donc, c'est effectivement des entreprises assez modernes qui se libèrent, on peut dire. Je pense que on ne peut pas dire qu'il y en ait eu beaucoup dans le passé. Jusqu'à présent, c'était plus des processus transformer l'humain un peu en machine, quoi. Non, tu vois pas ce que je veux dire. Non. Tu veux probablement parler de ce qui est du processus. Non, mais ce que les entreprises. Oui, excuse-moi, Véronique. Les entreprises qui se sont libérées, ce sont des entreprises qui sont conformes au modèle que je viens de vous donner. Oui. D'accord. Oui, bonjour. Ici Lionel. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'entreprises dites libérées dans des secteurs industriels de très grande envergure? Par exemple, est-ce qu'on peut appliquer ce modèle avec des entreprises comme EDF, Airbus, la SNCF, avec trois niveaux de hiérarchie et des équipes autonomes? Alors, pour être franc, aujourd'hui, dans les entreprises libérées d'importance, il y a quelques groupes. On sait que Michelin fait beaucoup parler de lui. On sait que, comment s'appelle-t-il dans le sport Décathlon. Décathlon parle beaucoup d'eux. Ceci étant, moi, ma seule question, c'est, ils le font dans certains endroits. Moi, chaque fois que j'ai voulu les interviewer et aller voir ce qu'ils font, je n'ai pas pu le faire. Ils n'ont pas accepté de m'accueillir. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ne sont libérés que dans certaines dimensions. D'accord ? Et on parle beaucoup des dimensions humaines. Alors, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, la dimension humaine n'est pas suffisante. Il faut travailler sur les autres dimensions. Donc, pour parler très clairement, moi, j'ai beaucoup travaillé avec une entreprise que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est France Télécom. Je n'ai pas travaillé avec eux là-dessus, hein. Ils ne me l'ont pas demandé, évidemment. S'ils me le demandaient, je travaillerai volontiers avec eux parce que je reste persuadé que c'est une entreprise, parce que je connais bien la manière dont ils travaillent. Je pense qu'on peut tout à fait le faire. Quand on dit trois niveaux hiérarchiques, ce n'est pas trois niveaux hiérarchiques, hein. Attention, les cercles, ce ne sont pas des niveaux hiérarchiques. Ce sont juste des niveaux où on a besoin d'avoir des individus qui sont capables de maîtriser une vision globale d'une entreprise d'une certaine importance, d'une certaine dimension. C'est ça que je veux dire. Les cercles de niveau 1, 2 et 3 sont là pour ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir là des personnes qui sont capables de maîtriser cette complexité. D'accord ? Et ce ne sont pas du tout des niveaux hiérarchiques. La hiérarchie, elle se tient au niveau des équipes. C'est dans les équipes et dans l'opérationnel et dans les cercles de niveau 1 que les choses se font de manière opérationnelle. D'ailleurs, entre parenthèses, ça décharge énormément les directions, les comités de direction. Moi, j'ai assisté à beaucoup de comités de direction. Je peux vous dire qu'on y perd beaucoup de temps et on y parle beaucoup de problèmes opérationnels qui devraient être traités ailleurs, n'est-ce pas? Et ça permettrait, au niveau justement des réunions de cercle, de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je vois qu'il y a des questions là. Je vais les reprendre au fur et à mesure. Hein, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Je vois qu'il y a qui décide des salaires de l'entreprise libérée. Donc là, vous pouvez le lire sur Internet, on le voit clairement. Les entreprises libérées, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. En général, les salaires sont, première condition,
les salaires sont connus de tous. Donc, quand on a un salaire et quand on a une position, quand on a un rôle, c'est toujours en fonction de ses connaissances, de sa capacité et de ses compétences. Et donc, quand elles sont reconnues, eh ben, il y a des salaires qui sont en correspondance. Quand quelqu'un veut avoir une augmentation de salaire, il en fait la demande, soit au niveau de l'équipe, et l'équipe décide, oui, c'est normal, c'est vrai qu'il a cette capacité, cette compétence nouvelle qu'il apporte. Il apporte beaucoup de services et donc il est normal que dans une grille générale qui peut être définie dans l'entreprise, il est normal qu'il ait une augmentation de salaire, etc. Donc, dans l'entreprise libérée, les salaires peuvent être définis par l'équipe ou au niveau des cercles pour voir qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans tout ça. Et donc, c'est normalement, ça se décide au niveau de l'équipe. Deuxième question, le rôle et le pouvoir des actionnaires. Alors, ça peut être un pouvoir, on l'a vu dans des entreprises libérées comme Poulpe, par exemple, qui étaient libérées et qui sont revenues à une structure plus classique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont été vendus à des capitaux risqueurs, lesquels ont demandé à ce que ça soit géré comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des rentabilités immédiates, qu'ils ne sauraient pas gérer une entreprise libérée parce que les indicateurs de performance ne sont pas ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir, etc., etc. Ce qui signifie qu'il faut qu'au niveau des actionnaires, là aussi, il y ait une évolution pour qu'ils comprennent que, sauf s'ils veulent avoir une rentabilité immédiate, alors les fonds de pension veulent avoir une rentabilité immédiate, si ça ne marche pas, ils vendent le tout et on recommence. Évidemment, ça c'est le problème. C'est un des problèmes que j'ai cité tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que Spotify est une entreprise libérée ? A du modèle de l'entreprise Spotify ? Non. Peut-on considérer Spotify comme une entreprise libérée ? Je ne comprends pas la question, Spotify. Je comprends en fait, la question, c'est de savoir Spotify qui a mis en place une structure tout à fait spécifique avec, basée sur des, squads, sur des équipes, avec des organisations, avec des organisations de conseil transverses. Compte tenu de la présentation qui a été faite, que tu as fait tout à l'heure avec les pilotes de groupe, là, est-ce que justement Spotify est peut-être considéré comme est-ce que ça apporte au moins des éléments son organisation à l'entreprise libérée quoi. Bah, de ce que j'entends honnêtement Spotify je connais pas le détail mais de ce que tu dis moi je dirais c'est un des éléments si vous voulez c'est pareil Decathlon. On parle beaucoup d'entreprises libérées Decathlon. Moi, ce que je voudrais voir, c'est comment, au niveau de leurs organismes centraux, leurs organismes de recherche, leurs organismes commerciaux, globalement, est-ce qu'ils sont réellement libérés ou c'est seulement les magasins qu'ils ont libérés, auquel cas, évidemment, ils ont un certain niveau d'agilité. Mais lorsque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ils se portent très bien, ce n'est pas le problème. Mais si demain, ils devaient réagir à une entreprise qui va les concurrencer à un niveau autre que simplement la manière dont les magasins ou leurs produits sont conçus, est-ce qu'ils vont être capables de modifier leur structure pour réagir à ça ? J'en sais rien, je n'ai pas pu les voir. Vous voyez donc, l'idée c'est que l'entreprise libérée, il faut que ce soit globalement l'ensemble qui doit fonctionner de manière libérée, n'est-ce pas ? Après, peut-être qu'il y a des niveaux différents selon les entreprises. Et d'ailleurs, dans la démarche, chaque entreprise va l'appliquer de manière spécifique, adaptée à la fois dans le rythme, dans la manière dont ils vont organiser chacun de ces leviers pour les faire progresser étape en étape, sa capacité à évoluer, etc. etc. Donc, tout à l'heure, on a cité EDF, on a cité la SNCF, etc. Pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Simplement, il est certain que ces entreprises-là ont probablement des freins et qui font que ce sera peut-être plus compliqué. Il faut simplement qu'il y ait la volonté de le faire, une volonté partagée, et je pense que je ne vois pas pourquoi les syndicats seraient contre ça. Il faut simplement avoir une vision avec la direction générale qui soit mise en œuvre au niveau le plus bas d'abord, et peu à peu, tout cela va se développer d'endroit en endroit, d'activité en activité,
pour finalement avoir une entreprise qui globalement va être effectivement libérée et agile comme il le faut. Donc en fait, quand tu dis que c'est à partir du bas, ça veut dire que il y a un alignement stratégique entre la vision du directeur général et la mise en œuvre opérationnelle. Absolument, absolument. C'est même indispensable. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la démarche, avant de la mettre en œuvre, il faut évidemment, et ça je l'explique très clairement dans mon livre, il faut évidemment que la direction générale ait premièrement conscience de la nécessité d'être agile, d'où le frein dont je vous ai parlé. Écoutez, pour nous, aujourd'hui, on a des marges de ta-ta-ta-ta-ta, ça marche très bien, on ne voit pas pourquoi on changerait. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc, souvent, c'est un moment d'une crise, justement, que les décisions se prennent, malheureusement. Ce n'est pas toujours le bon moment. Donc, ça, il y a ça. Ensuite, il faut que cette direction générale ait compris ce qu'était l'entreprise libérée, ce qu'elle peut apporter et la manière dont elle-même va pouvoir mettre cela en œuvre. Et là, la démarche va les aider, justement, à prendre conscience, à pouvoir même exposer un certain nombre de choses au niveau de l'entreprise avant de mettre en œuvre la démarche. Et d'abord, déjà, évidemment, au niveau de sa direction, au niveau de la direction, du comité de direction. Et ensuite, de la mettre en œuvre en partant, comme j'ai dit, depuis une structure en silo jusqu'à une structure totalement libérée. Il y a des étapes à respecter. On ne peut pas faire ça d'un seul coup. C'est clair. Et les entreprises libérées le démontrent. Est-ce que tu penses que Google est une entreprise libérée ? Si tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on la cite souvent comme une entreprise extrêmement efficace. Elle l'est, c'est évident. Au niveau humain, ils ont des pratiques qu'on connaît, qui sont celles qu'on pratique dans l'ouest des États-Unis, qui est reconnue comme étant extrêmement efficace. Pas de problème. De la même façon que certaines entreprises. Oui. Pour les... Oui, pour les individus, c'est extrêmement motivant, c'est certain. Et ils sont effectivement extrêmement efficaces. Le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de concurrents. Même si certains essayent, j'avoue qu'ils ont, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de mal. Ce que je veux dire, c'est que certaines entreprises en France ont développé, et on a vu d'ailleurs des articles sur Internet, on a développé le bien-être au travail, et ça a démontré beaucoup de choses intéressantes. Ça a développé le fait, je le citais tout à l'heure, d'avoir des directions du bien-être en entreprise. C'est bien, il y a des résultats, et c'est bon pour les individus, etc. Et c'est loin de suffire. Une entreprise qui fait ça n'est pas du tout libérée, parce que par ailleurs, elle est complètement... en silo, avec des processus transverses qui ne sont peut-être pas aussi transverses qu'ils devraient être, et que dans leurs opérations, il y a peut-être des choses à revoir, dans leur gouvernance, peut-être dans leur manière justement de prendre les décisions, enfin, etc., etc. Dans une entreprise libérée, chaque individu va décider de ce qu'il considère comme être bon pour son travail à lui. L'équipe va décider pour ce qui est bon pour le travail de l'équipe, etc., etc. Donc, tout le monde est impliqué là-dedans. Et par contre, ce qui est important, je le dis là parce que je ne l'ai pas dit assez tout à l'heure, une entreprise libérée ne veut pas dire qu'on est totalement indépendant les uns des autres. Pas du tout. Les règles sont définies avec les individus, avec les pilotes, avec les gens qui sont dans les cercles, etc. Mais une fois que c'est défini, l'individu qui a dit « en faisant comme ça, c'est bon », on s'attend qu'il respecte ce qu'il a dit, et qu'il respecte ces choses-là. Sinon, l'entreprise ne peut pas fonctionner. D'accord ? Donc, le fait d'être libéré ne signifie pas qu'on fait n'importe quoi, n'importe où, et que tout le monde peut, que chacun peut faire ce qu'il veut. D'accord ? C'est très important. Et d'ailleurs, les entreprises libérées que j'ai interviewées, que j'ai interrogées, m'ont effectivement confirmé ça. C'est pas du tout... chacun ne fait pas ce qu'il veut. Alors, moi, j'avais vu un petit exemple à la Poste, au niveau du courrier... C'était, je crois... Je crois avoir vu ça.
Je crois l'avoir entendu, oui. Oui, j'ai vu des salles de repos où ils mettent des lumières tamisées en bleu. Oui. Pour les gens qui travaillent à des trucs un peu compliqués, pour ne pas avoir trop mal aux yeux. Enfin, il y a des... C'est l'ergonomie, ça. C'est l'ergonomie. Oui, enfin, c'était plus que ça. Ils avaient des petits canapés où ils pouvaient aller se reposer quelques minutes. Non, c'était plus que de l'ergonomie, enfin, je pense. D'accord. Bon, okay. Excuse-moi, Véronique. Excuse-moi. Ce que je veux dire simplement, ce que tu viens de décrire là, moi, je l'ai vu dans des entreprises suédoises il y a 25 ans. D'accord. Je le faisais déjà il y a 25 ans. D'accord ? C'est très bien, c'est même indispensable, mais ça ne suffit pas pour être libéré. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que travailler là-dessus, c'est justement travailler sur un des axes, mais pas travailler sur l'ensemble des axes pour se libérer. Donc ça, c'est très bien, et je suis le premier à dire, très bien, faites-le, mais ne vous arrêtez pas là. Il faut aller plus loin. Il y a par exemple, lorsqu'on travaille, je sais que certains d'entre vous travaillent dans l'informatique, il y a des entreprises libérées qui sont effectivement pas des grosses entreprises, hein, mais qui se sont structurées par projet. Et ben, le projet forme une équipe qui est autonome dans sa façon de décider, de savoir qui doit y avoir, etc. Et elles sont, et le patron vient pas s'immiscer là-dedans tant que, évidemment, les résultats sont là. Si l'équipe fait n'importe quoi, évidemment, déjà, ce n'est pas normal parce que normalement, elle va réagir à un certain nombre de règles qu'elle se sera elle-même définie. Mais ces entreprises-là, il y a énormément, on cite beaucoup de cas de petites SS2I, encore je ne sais plus si c'est tout à fait le terme qu'il faut employer dans ce cas-là, qui fonctionnent comme ça. Moi, mes partenaires fonctionnent comme ça depuis maintenant bien une dizaine d'années, quoi. Et ils continuent comme ça et ça marche très bien. Alors, il y avait une question sur la transparence de l'information. Ah oui, alors ça, c'est le partage de l'information. Dès là, toute décision qui est prise, elle est communiquée. Les indicateurs de performance de chaque équipe est diffusé à tout le monde. Chacun la reçoit, chacun la connaît. Les salaires, comme dont on parlait tout à l'heure, tout le monde les connaît. Il n'y a aucune décision qui se prend sans que personne le sache. D'accord ? Le partage est quelque chose de très important. Si on partage, on développe de la confiance. On développe également de la bienveillance parce que ça veut dire que lorsque quelqu'un va décider quelque chose qui n'est pas bien et qui va se planter, on ne va pas lui taper dessus. Au contraire, on va essayer de comprendre. On va lui expliquer pourquoi ça n'a pas marché. On va lui dire comment il faut faire ensuite, etc. S'il recommence, ben, on va recommencer à lui expliquer. Bon, au bout d'un moment, bien sûr, on va quand même lui dire que ça ne peut pas continuer comme ça, mais c'est normal, je veux dire, on ne peut pas non plus admettre tout, mais ce qui est très important, c'est que l'information doit circuler librement. On doit pouvoir, et justement, les sites, il y a un certain nombre de sites dans les entreprises qui doivent être utilisés à cette fin-là, dans lesquels on va par exemple pouvoir avoir des réunions de gens par spécialité, des réunions de gens qui veulent discuter de ceci ou de cela, etc. etc. Il y a également une chose très importante dont on n'a pas parlé, c'est la formation. Les individus dans une entreprise libérée, lorsqu'ils veulent évoluer, lorsqu'ils veulent s'immiscer dans un cercle, par exemple, d'investissement, alors qu'ils ne savent pas comment on calcule un investissement, eh bien, il faut les former et leur dire « tu veux y aller ?» Eh bien, tu y vas, maintenant tu es formé, tu peux y aller et y participer. C'est ça qui est important. On fait monter la compétence des gens, on fait en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise, qu'ils participent à tout ce dont ils veulent participer. Si certains ne veulent pas participer, ben ils ne participent pas, ce n'est pas le problème. Alors, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions. C'est une entreprise apprenante, alors. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de termes qu'on voit aujourd'hui sur Internet, mais pas seulement, dans beaucoup de postes qui viennent. Il y a les entreprises réactives, il y a les entreprises apprenantes, il y a les entreprises, comme on avait dit, il y avait de la, comment on dit déjà le terme, la résistivité, je ne sais plus. Enfin, il y a tout un tas de termes qui ont été inventés, mais tout ça, c'est pareil. On parle de la même chose. On parle de la même chose.
D'accord. Alors, on parlait des administrations. Je dois dire que moi, j'ai proposé à certaines personnes dans l'administration de les rencontrer pour discuter justement de la possibilité de libérer un certain nombre de services, d'endroits dans l'entreprise, dans l'administration. Eux-mêmes m'ont dit, mais vous rêvez, ça ne pourra jamais se faire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va pouvoir libérer dans l'administration? Alors évidemment, si on prend ça comme action, c'est foutu d'avance. Bah, oui. Et moi, je reste persuadé, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas le faire dans une administration. Aucune raison, aucune. Oui. Encore faut-il que certains envisagent de le faire, aient envie de le faire, et à ce moment-là, qu'on l'essaye. C'est pas compliqué. Il y a William qui pose la question, est-ce que c'est possible au sein d'une entité, un service d'entreprise, de mettre en œuvre le modèle de l'entreprise libérée? Oui, alors, j'ai envie de dire, comme d'habitude, faire un pilote, c'est bien. Bon. Et d'ailleurs, ça s'est fait dans pas mal d'entreprises. Il y a eu pas mal de séminaires dans lesquels certaines grandes entreprises ont montré que dans un service, dans un département, on a développé un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'entreprise libérée. Vous comprenez bien que par rapport au discours que j'ai eu tout à l'heure et la démarche dont je vous ai parlé, on voit bien qu'on a travaillé sur les relations humaines. C'est clair. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais dans la mesure où on est une activité ou un service au sein d'un ensemble qui, lui, n'est pas libéré, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, tant que les processus et les demandes convergent vers cette entité et que cette entité peut y répondre toute seule sans avoir besoin d'en référer à d'autres, alors ça a du sens. Mais s'il faut que plusieurs services interviennent pour répondre à une demande d'un client, d'un administré, d'un citoyen, évidemment, ça ne peut pas. Il ne suffit pas d'être libéré dans un endroit. Ben, vous le savez bien, ce n'est pas parce que vous avez un silo qui est super bien informatisé lorsque vous voulez faire de la transversalité. Si l'autre à côté ne l'est pas bien, ben, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. On a des problèmes. Le modèle d'entrée de solidarité, le compagnie. Donc, ça, j'ai répondu. Sein d'identité, je continue. Y a-t-il un retour d'expérience sur les délais de transformation d'une entreprise classique et une entreprise libérée? Alors, les expériences qu'on a vues dans les entreprises libérées, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est effectivement un processus qui est progressif. Hein, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Hein, sinon, l'entreprise s'écroule, hein, ce n'est pas possible. Ça se fait de manière progressive et ça se fait sur plusieurs années. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une démarche qui se définit par étapes et que chaque étape ait sa propre rentabilité et sa propre justification pour l'entreprise en termes de développement, d'amélioration. Par exemple, la première étape va permettre d'améliorer la satisfaction des clients, l'orientation client, la communication entre les individus de différents silos. Vous verrez dans le livre, c'est là où on l'explique. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, il y a des gains et des gains qu'on peut mesurer. D'accord ? Et ça, c'est indispensable pour que justement le chef d'entreprise puisse avoir un discours au niveau de ses actionnaires, très important, mais également au niveau des gens qu'il a autour de lui dans son comité de direction, qui d'ailleurs, dans une entreprise libérée, va évoluer vers des cercles, voire des managers qui vont se retrouver pilotes de certaines équipes. C'est absolument, et ça pose aucun problème. Hein. Excusez-moi, vous avez parlé d'autonomie tout à l'heure du client à client, l'autonomie entière du processus du client au client ou à l'intérieur de l'employé à l'employé. C'est ça que je n'arrive pas bien encore à bien visualiser parce que ça me semble évidemment très intéressant, mais j'imagine toujours les interactions et les blocages par rapport aux différents processus. Comment on peut arriver dans cette direction-là? Ça, c'est vraiment la question. Je ne sais pas si tout le monde le sait, moi, je suis également au club des pilotes de processus. Donc, c'est une question qui m'est posée, évidemment, fondamentalement. Alors, première chose, et je l'explique dans mon livre, quand on voit une cartographie de processus, la première chose qu'on voit, c'est des processus et des liens entre les processus.
Or, ces liens ne sont pas des liens opérationnels. Je m'explique. Quand un client vous commande une pièce, vous commande un bien, si vous n'êtes pas capable de répondre à ce bien immédiatement et de pouvoir lui fournir le bien, c'est-à-dire qu'on doit attendre que les achats aient trouvé la matière première, que l'autre secteur là-bas qui doit me donner un sous-ensemble me le fournisse pour celui-là, etc., là, je peux vous dire que jamais le client aura les choses dans les temps, ou alors dans des temps qui aujourd'hui sont absolument incompatibles avec la concurrence qu'on a aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, c'est une autonomie opérationnelle. Autrement dit, ce qu'on cherche, c'est que quand on va exécuter le processus, on ne doit pas dépendre d'un autre processus. Par exemple, ce qui arrive fréquemment, par exemple dans les assurances ou dans les banques, on doit demander la permission ou demander l'avis de quelqu'un qui a trois niveaux au-dessus. Est-ce que je peux passer cette ligne de crédit? Tapati tapata. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va regarder l'état des comptes, des machins, etc. Et en général, dans 99% des cas, il va dire, ouais, ben, y a le montant qu'il faut, vous pouvez y aller, c'est quelqu'un dont on... Je veux dire, c'est pas très compliqué d'avoir des algorithmes qui soient capables de faire ça. C'est pas compliqué du tout. Je prends cet exemple exprès, d'accord? Si on prend maintenant, par exemple, on doit fournir dans une ligne de production des sous-ensembles. Eh bien, les sous-ensembles, il suffit de les gérer par des applications informatiques, voire dans un certain nombre de cas par d'autres équipes qui sont par ailleurs et qui vont elles-mêmes s'assurer que les stocks dans les différents sous-ensembles, d'ailleurs en fait dans le système d'information, hein, c'est le système d'information qui fait le lien, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est lui qui en fait va faire la jonction fonctionnelle, parce que les liens entre les processus tels qu'ils sont présentés sont des liens fonctionnel, pas opérationnel. De dire par exemple que évidemment on ne peut maintenir un matériel que si on l'a vendu, ok, oui, et alors quel lien y a-t-il de manière opérationnelle entre la vente et la maintenance? Aucun. D'un côté on vend, si le client vous appelle on fait de la pré-vente. Pardon? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ce qui est important, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, un certain nombre de décisions relativement plus compliquées que ce que je viens de vous dire peuvent très bien être prises dans l'entreprise grâce à une IA qu'on aura alimentée correctement avec un certain nombre de cas qu'on aura su traiter dans l'entreprise qui sont les cas les plus généraux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà où l'IA peut vraiment aider à rendre les processus opérationnels autonomes les uns par rapport aux autres. Oui. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, j'avais dans des petites structures coopératives, j'avais eu des témoignages de ce genre, mais juste dans des petites structures coopératives, comme quoi il y avait des équipes complètement autonomisées qui allaient d'un bout à l'autre du processus et qui étaient autonomes par rapport aux autres. Et ça m'avait effectivement agréablement surpris. Parce qu'il y avait une grande liberté et une grande agilité et une grande rapidité d'intervention. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Je vous dis, j'ai beaucoup travaillé dans certaines entreprises. Quand je regarde leur processus, je me dis, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire là-bas aussi. C'est simplement, on n'a pas l'habitude de le faire comme ça. On a des gens qui interviennent pour définir dans l'intervention sur les processus. Vous allez trouver pour définir des processus, pour travailler sur les processus, des gens qui travaillent sur la qualité, des gens qui travaillent sur l'ergonomie, des gens qui travaillent sur la sécurité, des gens qui travaillent sur les risques, etc. etc. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas ça qui va accélérer les choses, c'est tout. Vous voyez? Donc, en travaillant de manière autonome dans des équipes qui vont se prendre en charge, ça doit fonctionner. Ça veut dire, ça aussi, on n'a pas abordé ça, mais je le dis pour alimenter un peu votre réflexion, c'est que évidemment, ça signifie que dans les équipes, on doit avoir l'ensemble des ressources nécessaires pour exécuter les processus opérationnels. Ça veut dire que dans la troisième étape où ces équipes vont se former, eh bien, il va falloir être sûr qu'elles ont effectivement bien toutes les ressources dont elles ont besoin. Ce qui peut éventuellement créer une augmentation de certaines ressources.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être des ressources qu'on va être obligé de dupliquer. Mais compte tenu du coût de ces ressources et des gains qu'on va avoir par ailleurs, c'est sans commune mesure. Il n'y a aucune comparaison possible. Il y en a une qui va travailler sur le chiffre d'affaires, sur les clients, etc. Et l'autre va travailler sur les salaires. En général, la comparaison ne pose aucun problème. Alors, classique, on ne peut plus énumérer. Ça, on l'a vu. Et est-ce que tu penses que la culture individualiste de réussite que nous avons connue ne favorise pas une entreprise ? Notamment, l'ego et les dirigeants un peu bloqués, il est habitué à être obéi, craint, décidé. Par exemple, Carl Ghosn. Ce type de dirigeant qui est à la tête des grandes entreprises peut-il évoluer ? Ah, ben voilà. Et il est certain que dans l'entreprise libérée, ceux qui vont le plus poser problème, ce sont les managers. C'est évident parce qu'il va falloir qu'ils lâchent prise. Mais en même temps, peut-être avez-vous lu les uns et les autres tout ce qui se dit aujourd'hui sur l'évolution du management. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'évolution du management hiérarchique vers un management de leaders, de gens qui sont des gens qui vont guider les autres, des gens qui vont tirer, qui vont expliquer, faire monter leurs ressources en compétences, etc. Et c'est ça dont on parle. C'est cela dont on parle. Donc, est-ce que, compte tenu de la mentalité, l'état d'esprit d'un certain nombre de dirigeants, ils vont aller vers là ? C'est pas sûr. Je reconnais. C'est pas sûr du tout. D'abord parce qu'ils ont leurs égos, ils ont leur salaire, ils ont leur légitimité par rapport à l'ensemble de leurs corrélégionnaires, des choses comme ça. Mais en même temps, si l'entreprise marche bien, encore une fois, moi je ne suis pas pour limiter les salaires. Si la personne est suffisamment compétente, qu'elle apporte à l'entreprise du bienfait, qu'elle apporte des bénéfices significatifs, etc., bah, qu'elle ait un salaire en fonction d'eux, bien sûr, hein. Et encore une fois, là, je ne fais ni politique, ni idéologie, ni rien du tout. Je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, l'expérience, le cas de Carlos Ghosn, moi, pour moi, il me pose un problème. Parce que Carlos Ghosn est quelqu'un qui a développé l'entreprise qui était en train de s'écrouler pour en faire une entreprise extraordinaire. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être certaines choses qu'il a faites, encore qu'on n'en sache rien. Hein, moi, je ne suis pas juge. Hein. Maintenant, s'il a fait des malversations, évidemment, ça, ce n'est pas normal. Maintenant, est-ce que quelqu'un comme Carlos Ghosn pouvait travailler dans une entreprise libérée ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense qu'il pourrait très bien, lui, orienter les choses, parce que je pense que c'est ce qu'il fait, et que ça puisse être tout à fait admis dans une entreprise où les gens, les personnels, les gens qui sont en dessous de lui, puissent prendre des responsabilités, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, au niveau de la première tranche, au niveau de la deuxième, au niveau de la troisième. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense que c'est jouable. Simplement, encore une fois, il faut travailler sur la formation. Il faut travailler effectivement sur et faire évoluer le management hiérarchique en un autre type de management. Et là, moi, ma contribution à ça, c'est que j'essaye. Actuellement, j'ai pas mal d'universités d'entre eux et d'écoles que je contacte justement pour leur faire des présentations de ce livre et de la manière dont il existe d'autres manières de manager une entreprise qu'une manière très classique. Ou aussi de manager une université ou de manager une association. On parle d'entreprise libérée, mais est-ce qu'on peut parler d'une université libérée ou d'une association libérée comme Adélie, par exemple? Alors déjà, dans le club des pilotes de processus, on travaille en activité. Chaque activité est indépendante. Autonome, pardon, pas indépendante. Excusez-moi, je retire. Pas indépendante, autonome. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'activité. Moi, j'ai eu un certain nombre d'activités en charge. Et c'est à lui de gérer le tout. Et quand on fait un conseil d'administration, ce sont les responsables d'activité qui sont là. Ils sont en même temps des administrateurs. Hein. Ils sont comme des pilotes, finalement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'une association pourrait très bien le faire si elle prend conscience des différentes activités qu'elle a chez elle, des processus qui soutiennent ses activités, avec un responsable de chacune de ces processus et de ces activités.
Et à ce moment-là, dans le conseil d'administration, parce qu'en général, une association, c'est quand même pas 5000 personnes, hein, a priori. Hein. Et donc, c'est tout à fait applicable, bien sûr. Oui, bien sûr. Je le pense. Alors maintenant, une université, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Hein. Parce que vous avez des types d'enseignement. Je n'ai pas réfléchi. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi. Il faudrait y réfléchir pour voir comment ça peut se faire. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Il n'y a pas de raison. Vous avez des spécialités dans les universités. Hein. Vous avez des enseignements. Vous avez des professeurs qui vont... Alors, la difficulté qu'il peut y avoir là, c'est peut-être en termes de ressources. Parce que peut-être que pour plusieurs spécialités qu'il y a dans l'université, il peut y avoir un mix un professeur peut avoir à différents endroits. Donc, mais bon, ça s'étudie. Pourquoi pas? Je continue les questions. Est-il possible dans le domaine de très haut niveau de sécurité, la prise de qui demande un investissement important de tous, est-elle compatible avec les niveaux de salaire minimaux en France? Je ne sais pas quoi vous dire. Là, c'est un domaine... J'ai envie de dire, une entreprise qui travaille avec des salaires minimaux, comme ceux qu'on en a entendu parler, hein, des gens... où est-ce qu'on a entendu? J'ai entendu, par exemple... Dans la culture, hein. Les gens. Prenons une entreprise libérée de gilets jaunes, par exemple. Une entreprise libérée de. De gilets jaunes. Enfin, dont l'effectif est essentiellement constitué de gilets jaunes. C'est-à-dire oui. De gens qui sont sur des salaires qui sont un petit peu au-dessus du SMIC, pas beaucoup plus. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut demander à ces gens-là d'être totalement motivés dans le cadre de leur travail? Je pense qu'on le peut. D'abord parce que y a quand même pas mal d'études sociologiques qui montrent que l'intérêt qu'on peut avoir au travail, c'est certes le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut se poser la question, est-ce que le salaire minimum est un salaire justifié ou un salaire exagéré? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous utilisez quelqu'un qui n'a aucune compétence, à qui on demande de faire un travail extrêmement précis, un peu comme du taylorisme finalement, hein, là c'est un peu compliqué. Vous comprenez que c'est un peu compliqué. Donc si on veut que ce type d'entreprise puisse se libérer, il faut que ce type d'entreprise se pose la question, est-ce que je suis capable, moi, de justifier ce que je donne comme travail aux individus, le salaire que je leur paye, et ce que je peux justifier que le salaire est normal pour le travail qu'ils donnent. Est-ce que je suis capable, moi, de faire comprendre et de faire admettre ça? Alors, après, ben, vous allez avoir des gens qui, de toute façon, ne seront pas satisfaits. À partir de là... Ben, en général, dans une entreprise qui est en train de se libérer, s'il y a des individus qui n'arrivent pas à adhérer à ce modèle-là, après qu'on l'ait, évidemment, bien étudié au niveau de l'entreprise, et bien intégré en disant « j'ai vraiment cette volonté de défendre un bien commun ». L'entreprise, elle a un bien commun. Si elle n'a pas de bien commun, à ce moment-là, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont travailler de manière tayloriste, qui vont avoir des gens qu'on va payer pas cher, pour pouvoir avoir des prix, des volumes, et on va travailler uniquement sur le prix et le volume. Mais celles-là, elles sont, excusez-moi, indécrottables. Si vous voulez, si vous êtes un marché de commodités qui travaille essentiellement sur le volume et le prix, a-t-il intérêt à se libérer? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Tout le monde ne peut pas se libérer. Les amas, il faut que les gens aient un intérêt dans leur travail, apparemment. Ben voilà. Alors, s'ils n'ont pas l'intérêt, si on ne leur démontre pas l'intérêt, si on ne peut pas leur démontrer cet intérêt, si on ne peut pas les impliquer dans ce qu'ils font, ouais. Donc justement, qui se définissent leur travail, qui disent éventuellement, oui, mais là, vous comprenez, on peut améliorer les choses, qu'ils soient écoutés,
qui soient éventuellement soutenus dans ce qu'ils font, etc. Si ça ne s'est pas fait, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est... Libérer une entreprise permet quand même d'augmenter les revenus et d'augmenter aussi les... S'il y a cette volonté et si on fait en sorte que, effectivement, regardez, souvent dans les gilets jaunes, bon, moi j'ai suivi quand même un petit peu, souvent ce que les gens déplorent, c'est qu'en fait, ils sont dans des entreprises qui font beaucoup de bénéfices et que leur salaire n'a pas beaucoup augmenté. Ouais. Les patrons sont augmentés, pas eux, etc. Dans une entreprise libérée, c'est hors de question. Ça n'a pas de sens, ça. Comprenez ? Donc, si ça, ce n'est pas appliqué, effectivement, ce n'est même pas la peine d'imaginer parce que les dirigeants de cette entreprise ne vont même pas être intéressés par le fait d'être libérés. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Et ils disparaîtront dès l'instant que la commodité sur laquelle ils sont disparaîtra, ben ils disparaîtront avec. Mais en général, ces gens-là, une fois que ça termine, ben, ils liquident l'entreprise, en créent une autre à côté avec le même modèle pour fabriquer en grande quantité quelque chose. Parce que c'est le modèle, c'est leur modèle, hein, pas, qui a alors son intérêt. Hein, je crache pas sur la soupe. Hein. Vous avez beaucoup d'endroits où on travaille comme ça et c'est le seul moyen, compte tenu de la guerre des prix dont on entend parler. Les Chinois vendent beaucoup. C'est aussi beaucoup, vous avez vu leurs usines. Hein, c'est les usines telles qu'on les voyait chez nous au début du XXe siècle. Hein. Est-ce que ça ne s'implique pas finalement ce dont on parle justement là, et on parle aussi de gilets jaunes, mais par rapport aux AMAP par exemple, il y a des agriculteurs qui ne trouvaient pas des débouchés en passant par les grossistes, les supermarchés, qui finalement font de la distribution directe auprès du client. Est-ce que ce n'est pas une application finalement du processus qui va du client au client, de l'agriculteur au client, et finalement une partie… Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, il y a même des agriculteurs qui ont créé donc, une coopérative qui a elle-même sa distribution. C'est-à-dire que les agriculteurs, en gros, ce sont des équipes qui produisent. Eux, ils ont leur processus, ils produisent. D'accord ? Et ensuite, tous ces produits-là passent par l'intermédiaire de la boutique. Et là, la boutique gère sa boutique de manière autonome. C'est un modèle. Ce qui est important, c'est que chacun soit autonome sur ce sur quoi il est responsable. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu déformé parce que l'agriculteur, finalement, il est seul ou il a quelques aides avec lui, mais le modèle n'est pas tout à fait celui-là, d'accord ? Mais c'est tout à fait la bonne réaction. Et d'ailleurs, si on avait dans mon deuxième livre qui parlait de d'autres types d'organisations, moi je crois beaucoup à une étape vers laquelle on va, qui va être une kyrielle de petites entreprises qui vont en fait travailler ensemble les unes avec les autres, voyez-vous ? Et donc si chacune est libérée, on se rend compte qu'on est capable de fournir aux uns et aux autres des processus et des capacités, des compétences que les autres peuvent utiliser et que moi finalement ça me rapporte du chiffre d'affaires. Ça me rapporte des affaires, mais simplement, je ne suis pas totalement autonome dans tout ce que je suis capable de faire. Mais au contraire, je bénéficie de gens à qui j'apporte ma compétence. Et là, on peut être totalement libéré et on aura une kyrielle d'entreprises libérées qui vont en fait travailler ensemble, qui vont travailler. Voilà. Et moi, c'est le modèle que je développais dans mon deuxième livre. C'était nouvelle démarche d'organisation et d'informatisation, parce que l'informatique là-dedans est très importante. C'est même un des outils qui va permettre justement de libérer l'entreprise, d'un certain nombre de libérer les équipes et les processus de tout ce qui justement les contraint au fur et à mesure du déroulé des processus. Alors, qu'y a-t-il comme autre question ? Mais je ne vois pas d'autres personnes. Parce que les autres, ils sont... Cachés ? Ils se sont cachés parce que... D'accord. Vous pouvez commencer à vous remontrer. Si vous voulez poser des questions. Il y a une question sur l'entreprise Favi que Isabelle Grandi nous a posée. Elle dit que c'est un bel exemple. Oui. Alors, dans une de mes précédentes interventions,
on m'a fait savoir que Favi n'était plus libéré. Ah. Ils se sont vendus et que les nouveaux propriétaires ne veulent plus travailler en mode libéré. Ah. Il faut savoir. Problème peut-être quand même alors. Non, mais c'est bien raisons. D'un point de vue théorique, bien sûr. Mais est-ce qu'après, c'est... d'un point de vue pratique? Alors, il faut savoir que cette entreprise s'est développée comme jamais elle s'est développée tant qu'elle était libérée, que son patron a appliqué ça pendant, je crois une quinzaine d'années facilement. Ah oui. Et que ça marchait très bien. Moi, j'avais voulu les interviewer justement dans le cadre de mon livre. Et celui qui a pris la place du patron m'a dit, nous ne faisons plus d'interview sur le fait de se libérer. Je pense, vous voyez, c'est là où on voit que le fait de repasser par un autre type de management et d'actionnariat peut remettre complètement en cause. Pourquoi ? Parce que la logique n'est plus la même. Mais ce que je voudrais surtout dire aujourd'hui, c'est que la question n'est pas de se poser la question est-ce qu'il faut se libérer, pas se libérer, est-ce que c'est le bon ? La question, elle n'est plus là. La question maintenant, c'est quand faudra-t-il qu'on se libère ? Donc, tout le monde va passer par là. Et si on n'y passe pas, même avec bon, Favi, je lui souhaite une grande vie, une belle vie, comme Poult, hein. Je souhaite qu'il continue comme ça. Simplement, je pense que le fait de casser ce type de structure fait qu'en fait, ils régressent dans leur agilité parce qu'ils ne conservent pas ça. Alors, peut-être qu'ils ne s'appellent plus libérés, mais qu'ils conservent. Et je crois que Poult, en tout cas, sûrement pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de chez Poult que j'ai pu contacter. Enfin, certaines personnes, pas beaucoup, hein, mais qui m'ont dit, ben non, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Est-ce que tu sais si, à l'ESSEC, je veux dire, à HEC, est-ce qu'ils enseignent l'entreprise libérée comme quelque chose de fondamental ou pas? Je ne saurais pas dire. Ce que je sais, c'est que je suis en contact avec des gens de ces écoles et que je leur propose de venir le leur présenter. Alors, je crois que ce sont des choses dont on parle, donc ils sont au courant, c'est normal, et c'est quand même de l'organisation, donc ils en entendent parler. Maintenant, est-ce que pour autant ils sont enseignés? Je ne suis pas sûr. Je sais que les processus, ils ont évolué là-dessus, mais pour le reste, moi je suis ni de l'HEC, ni de l'ESSEC, ni rien. Je sais que j'ai des gens avec qui je suis en contact et certains me proposent de venir intervenir. Donc je pense c'est qu'ils considèrent que quand même c'est un intérêt. Je sais pas, est-ce que quelqu'un ici est d'HEC ou d'ESSEC qui est capable d'avoir un avis là-dessus? Bon, je connais pas précisément le contenu. Je pense qu'ils en parlent. En parler, c'est une chose, je pense qu'ils ne peuvent pas l'ignorer, étant quand même des organisateurs a priori. Mais de là à se dire, oui, je vois ce que c'est, et quand je serai dans une entreprise, moi-même, c'est une idée que je vais pouvoir poursuivre, c'est-à-dire de considérer que l'innovation d'organisation est tout aussi importante que l'innovation de produit, là, il y a du chemin à faire, quoi. Parce que c'est de ça dont on parle, hein. C'est de oui, ça dont on... Moi, je sais qu'ils ont... Beaucoup dans beaucoup d'écoles, d'universités, ils parlent beaucoup de développement durable. Ils ont des projets de développement durable. Donc, je me posais la question, ce serait important que ce soit enseigné aussi aux futurs managers d'entreprise. Évidemment, je pense. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux statuts, là, vous avez entendu parler, des statuts d'entreprise responsable, je crois. Éco-responsable. Enfin, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que dans leur statut, ils ont le fait qu'ils se sont responsabilités dans leur impact sur l'environnement, etc., etc. Et quelque part, c'est quelque chose qui c'est un bout du chemin. C'est un bout du chemin. Une fois qu'on a pris ce chemin-là, après, on peut peut-être aller un petit peu plus loin et changer la mentalité, finalement, que l'on a vis-à-vis d'une entreprise qu'il a. On produit, on fait du business, on fait du fric, on le distribue à nos actionnaires, basta. Je crois que cette idée-là est en train d'évoluer et il y a pas mal d'idées qui deviennent maintenant même officielles dans les statuts
qui font qu'on va un peu plus vers ce type de, d'évolution. Ça s'appelle entreprise à mission. Voilà, bravo, merci. Entreprise exactement. À mission. Entreprise à mission, bravo, merci. C'est ça, à mission, oui, oui. Oui. Et dans les enseignants des écoles de commerce, j'ai mis en commentaire Isaac Goetz, qui est enseignant à ESCP Paris. Alors, j'avais mal écrit, hein, l'École supérieure de commerce de Paris. Donc, qui est le oui, grand centre. Exact, 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 exact. Mais ce que dit Goetz est tout à fait, évidemment, très intéressant et important. Le seul problème, c'est qu'il n'insiste absolument pas sur les aspects opérationnels. Et ça, je trouve que ça manque, parce que je pense que si on ne travaille pas sur l'opérationnel, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. C'est une conviction que j'ai. Alors, je vois quelque chose là. L'administration n'est pas le milieu le plus facile à évangéliser. C'est une grosse pyramide hiérarchique, donc anti-agile par excellence. Une société change du rythme des générations, pas au rythme des hommes. Il faut semer la graine maintenant et surtout attendre toutes les autres et donner l'exemple. L'ego et les zones de confort sont trop addictives dans les grandes structures, surtout si elles sont perfusées. Une entreprise bien nourrie n'a pas envie de prendre des risques, on est bien d'accord. Les réveils tardifs sont durs. Vous voyez les exemples donnés par Yves Portnoff. Okay. Tu le connais, voilà. Yves Portnoff ? Oui, 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 oui. Oui, il parle de l'entreprise. Je me demandais oui, pourquoi Fabi a changé de dirigeant. Ça marchait très on bien. N'entend pas, on n'entend pas bien. Enlève ta main de ta bouche. Non, mais j'ai le micro. Je parle oui, le micro. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pourquoi Fabi a changé de dirigeant puisque ça marchait bien? Ben parce que celui qui était le propriétaire avant, il l'a revendu. Il ne pouvait pas continuer, donc il l'a revendu. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un patron de PME qui vend sa PME à quelqu'un qui va la liquider pour le fric qu'il y a dedans et qui va la vendre par petits bouts. Est-ce que je vous dise, c'est ça le problème. Il n'a peut-être pas choisi la bonne personne pour prendre la suite. Ça serait intéressant, tiens d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de. Là aussi, j'ai ma mémoire qui n'est pas bonne, mais de celui, il en parle beaucoup de son entreprise Favi. Pourquoi il n'en parle pas aujourd'hui? Pourquoi il ne témoigne pas de ce qui se passe dans son entreprise? Il faudrait du monde. Il a peut-être un accord de confidentialité et de silence. Ah, peut-être, 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 peut-être. Mais ce serait quand même intéressant qu'il y ait des journalistes qui l'interviewent. Parce qu'il en dit beaucoup de bien, il a beaucoup défendu, et je trouve qu'il a un discours qui est magnifique, extraordinaire, et j'aimerais bien. Et en plus, c'est lui qui a donner l'envie à un certain nombre d'autres, notamment ceux que moi j'ai été voir, ils m'ont dit que Favi était un exemple pour eux et que c'est eux qui leur ont donné envie justement de passer à l'entreprise libérée. Donc moi, si quelqu'un peut le contacter, ce monsieur, s'il y a un journaliste qui peut nous écouter ou si vous en connaissez, mais qu'il aille l'interviewer et qu'il lui demande pourquoi ça a évolué comme ça. C'est vraiment une question, moi, que je trouve fondamental, quoi. Pourquoi ? Il y a une question de Hamza Had, mais qui est incomplète. Pour quelles raisons les entreprises oui. On a sauté aussi ma question, là. Pardon. J'ai pas une question sur l'IA, puisque je oui. vois que ah, vous, j'ai pas vu. Vous promouvez, disons, pour faire des... peut-être un gain sur le nombre d'étapes dans les processus, de prendre directement des décisions au moyen de l'IA. Oui. Et donc, dans ces entreprises avancées qui mettent en avant l'IA, est-ce qu'on a avancé sur les deux points qui me semblent très importants et pas du tout résolus aujourd'hui, qui sont premièrement l'explication du raisonnement de l'IA, notamment dans tout ce qui est basé sur des réseaux de neurones et la désignation des responsables parce qu'il faut un responsable de la décision. Dans les entreprises que j'ai vues, ils n'utilisent pas l'IA. Moi, je cite l'IA, pourquoi ? Parce que je considère, j'ai un peu... d'ailleurs, j'ai écouté une des... C'est chez vous ? Non. Non, ce n'est pas l'IA, c'était les neurones. C'était l'ordinateur neurone, c'est ça, non ?
Les réseaux neuronaux ? Non, non, j'ai, réseaux neuronaux. Non, parce que il y a toute une IA symbolique avec des moteurs d'inférence. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est celle-là dont je parle. D'amener des éléments d'explication. Mais à partir du moment où on est sur tout ce qui est connexionnisme et réseau, on n'a absolument aucun moyen d'expliquer le raisonnement qui aboutit à un résultat, à l'heure actuelle. Hein. Oui. Donc, ce qui est très gênant… Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi je dis ça dépend ? Moi, pourquoi je crois à l'IA ? C'est que je pense que dans une entreprise où un certain nombre de décisions sont assez complexes à prendre, je pense qu'on pourrait très bien, à ma connaissance, moi j'ai pas vu d'exemple, mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas, dans une banque par exemple, lorsque certaines décisions sont prises, pouvoir avoir une IA à qui on va donner toutes les décisions, les raisons pour lesquelles ces décisions sont prises, les conditions pour lesquelles ces décisions sont prises, de telle sorte que lorsque une décision doit être prise et que l'ensemble des informations correspondantes est donnée à l'IA, elle puisse dire que compte tenu de l'ensemble des informations qu'on lui donne, eh bien pour elle, la meilleure décision, c'est de faire comme ça. Oui. C'est cela que je veux dire. Moi, je ne rentre pas dans la technologie de l'IA, ce n'est pas du tout mon domaine. D'accord ? Mais je pense qu'on atteint aujourd'hui, avec les moteurs que l'on a aujourd'hui, la possibilité de faire ça. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ou 30 ans, on parlait d'IA avec des trucs de relations. Là. Bon, ça n'a jamais marché, cette affaire. Il fallait qu'il y ait des experts qui donnent les réseaux de décision, tout ça. Si, ça a un peu marché. Moi, j'ai fait un peu. Crédit scoring il y a une trentaine d'années. On accordait le crédit de façon automatique pour l'achat de véhicules à partir d'un Minitel. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'est pas développé. Il y a eu des exemples, mais ça n'a pas pris. Non, bien que je pense qu'aujourd'hui, avec le modèle qu'on a, avec les modèles où on donne en fait tout un tas d'informations à l'IA, elle la malaxe, elle regarde les décisions qu'on prise, ou en tout cas on sait ce qu'elle veut, ce qu'on va lui demander, et qu'à partir de ces informations, elle sait quel type de décision elle prend compte tenu du contexte qu'on lui a fourni. Je pense que c'est des choses maintenant qu'on doit pouvoir généraliser, et c'est des choses qui sont disponibles facilement, aisément. Voilà. Parce que les données de la banque. Alors moi, je ne le crois pas. Excuse-moi, là, je t'ai un peu coupé, mais je prends l'exemple de accorder un prêt. Oui. Effectivement, sur une période de 2-3 ans, on peut faire un apprentissage d'un système sur l'accord de prêt avec tous les éléments de contexte qu'on peut relever. Mais quand il y a des changements brusques, je prends par exemple entre le 1er mars et le 30 mars, les règles d'accord de prêt ne sont plus du tout les mêmes et je ne vois pas comment une IA actuellement pourrait se mettre à jour entre le 1er mars et le 30 mars. Je peux répondre tout de suite parce que ma spécialité, c'est le domaine de la banque et je viens de la banque. Et je travaille sur l'IA dans la banque aussi. Déjà, rien que pour le credit scoring, il s'agit bien d'un processus qui commence et qui est déjà bien automatisé dans la plupart des banques. Le processus est automatisé, sauf que à tous les moments et pour tous les processus dans toutes les banques qui travaillent avec l'IA pour le credit scoring, donc l'examen d'un dossier pour savoir si on accorde le prêt à une personne, il y a automatiquement une phase d'accord qui est manuel, qui est pris par un humain. C'est obligatoire et c'est absolument fait dans toutes les banques. Pour répondre à ta question sur les documents, IBM a communiqué là-dessus, les IA sont capables de lire des millions de documents à la minute. Donc les IA actuellement qui travaillent à la fois sur la recherche, sur le cancer, sur le domaine législatif, etc., sont capables de prendre en temps réel des millions de documents
en temps réel. Donc, ils sont absolument au courant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le domaine législatif est le domaine qui est le plus en danger actuellement sur les IA, parce qu'un travail énorme de connaissance des lois est en train de passer dans le domaine de l'IA et les humains n'arrivent pas à suivre. Je voulais répondre sur les décisions automatiques dans la banque. Il y a des décisions qui sont prises automatiquement dans la banque sans intervention manuelle. Ce sont, je suis désolé de vous le dire, mais vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, ce sont toutes les prises de décision concernant les achats et les ventes sur le marché financier qui se font de l'ordre de millions d'ordres à la seconde. Et ça, c'est entièrement des IA qui le font. Et ça, c'est fait depuis longtemps, puisque l'origine, c'est 2008, on a eu la première crise financière. Ils ont refait ça, ils ont remis ça en blindant les algorithmes et les IA il y a quelques années. Mais actuellement, le risque est encore très important sur les IA qui travaillent sur les hedge funds et tout ce qui est marché à terme des instruments financiers. Donc, on sait qu'il y a des gros risques, mais ça, c'est fait entièrement en processus automatique par des IA. Donc, il y a plein de décisions qui sont prises dans les milieux financiers et dans les assurances aussi. Le calcul et l'évaluation des risques dans les assurances, c'est fait par des IA. Mais beaucoup d'entreprises ont introduit automatiquement un stade manuel à partir du moment où on a le temps. C'est le cas pour un dossier de crédit, on a le temps. Pas pour un placement sur les marchés financiers. Oui, puis je pense que la législation a évolué, hein. Oui, mais de toute façon, l'IA la lit en temps réel, en multilingue, en plus. Oui. Bon, là, il y a des processus automatisés, tu vois, Henri. Oui, je vais répondre aussi à la question sur le moteur d'inférence. Actuellement, on est toujours capable, à partir du moment où on a pris une décision, on est toujours capable, c'est du chaînage avant, on est toujours capable de faire du chaînage arrière. Le problème que nous avons actuellement, et c'est le cas que rencontrent tous les spécialistes de l'IA, c'est que la mécanique de chaînage arrière, c'est-à-dire que l'IA démontre pour quelles raisons, et elle démontre et elle décompose étape par étape tout le processus qui l'a amené à prendre ses décisions. Le problème, c'est que ça devient absolument, pratiquement impossible à comprendre par les spécialistes quand on est dans les domaines très pointus. Il faut des jours ou des mois hommes pour comprendre le processus de décision du IA compte tenu de la puissance des réseaux neuronaux. Donc le problème, c'est pas on sait pas le faire. Non, le problème, c'est on sait pas le faire rapidement. On peut le faire, mais actuellement on est dépassé. C'est surtout pour les reconnaissances d'images en réseau de neurones. Là, ça devient vraiment très 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 complexe. Oui, alors c'est pas des choses aussi complexes dont je vous parle. Hein. Il s'agit seulement, lorsqu'on est sur un processus qui se déroule, il y a un certain nombre de décisions dont certaines sont contentées d'algorithmes. Hein. Parce que je vous dirais franchement, quand j'ai un agent, par exemple, dans ma banque, lorsque, par exemple, je suis à découvert, il faut aller au directeur d'agence pour que le directeur d'agence… Qu'est-ce qu'il fait, le directeur d'agence? Il regarde le listing, il regarde, il est ouvert. Oui, tu peux y aller. Franchement, je veux dire, c'est un exemple banal que je vous donne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre de décisions, avec quelques algorithmes relativement simples, on doit déjà pouvoir limiter ce genre d'interruption. Oui, mais quand je parlais de processus qui sont difficiles à contrôler par l'humain, je parle uniquement de processus où il y a des calculs mathématiques, des calculs de physique, etc. Voilà, qui demandent énormément de temps. Si on prend l'exemple d'un algorithme hyper complexe qui peut être vérifié très rapidement, c'est les algorithmes de reconnaissance de forme. Il est très rapide de savoir si l'intelligence artificielle a bien reconnu, je prends l'exemple le plus répandu, c'est des chatons dans une photo. Il y en a pour 30 secondes de contrôler la réalité des faits. C'est ce qu'on appelle en informatique faire de la recette.
faire des tests et faire de la recette. Et donc là, c'est très facile. Par contre, pour un calcul de résistance de matériaux ou un calcul financier qui prend en compte une multitude de contraintes au niveau mondial, refaire tous les calculs à la main et les contrôler, c'est ce qui prend énormément de temps. C'est d'ailleurs le problème que nous avons dans nos équipes d'informaticiens, c'est de faire des cas de test pour l'IA. Quand on travaille sur la détection de fraude et qu'on dit « Monsieur Dupont est un fraudeur », il nous faut énormément de temps pour refaire les calculs, pour montrer que l'IA ne s'est pas plantée. Le seul moyen que l'on a pour faire le test de vérification rapide, c'est-à-dire exactement ce qu'on a dans le contrôle d'une photographie, c'est d'attendre, c'est de laisser passer le temps et de voir que Dupont, effectivement, trois mois après, a fraudé. Mais en dehors de ça, la prédiction de fraude, donc la décision de M. Dupont est fraudeur, ne peut se faire que par un ensemble de calculs mathématiques qui prend énormément de temps pour faire des tests et des contrôles de tests d'un algorithme IA. Et c'est hyper difficile. Tous ceux qui travaillent sur l'IA diront qu'effectivement, tester un algorithme, donc faire un cas de test, faire tous les cas de test et faire une recette sur des algorithmes, c'est très très difficile, dès lors qu'on a des formules mathématiques compliquées. Ce n'est pas le cas pour la reconnaissance faciale. Bon, bien. On est un peu loin de l'entreprise libérée et des processus. Ah ben pour les processus, l'IA peut aider énormément. Hein. Je rejoins Henri. Il y a plein de tâches qui étaient difficiles. On l'a vu déjà puisqu'on a fait une conférence là-dessus. L'IA peut détecter effectivement toutes les incohérences dans les prises de décision. Oui. Je dois dire que sans IA, nous on l'a fait sur certaines activités dans les entreprises en automatisant. On se rend compte qu'il y a dans la manière dont les processus étaient gérés avant énormément d'erreurs. Et donc, du coup, on se rend compte que les cas où il y a des erreurs n'ont jamais été traités et qu'ensuite, il faut modifier le processus, il faut modifier l'algorithme, il faut modifier les choses pour justement le prendre en compte. Mais ça permet au moins à l'entreprise de se rendre compte que des fois, chez fois, il y a 40% des commandes qui sont rejetées dans une entreprise. Je ne vous dirai pas laquelle. 40% des commandes prises sur Internet qui sont rejetées. Elle ne le savait pas. L'entreprise ne le savait pas. Mais en automatisant le processus, on s'en est rendu compte. Voilà. Bien. Alors. Est-ce qu'il reste des questions ou... À quelle heure on termine? Quelle heure, hein. Là, je pense quand que vous voulez. L'heure. Quand vous voulez. Justement, j'ai à poser une question puisque c'est un sujet d'actualité. C'est... La situation que l'on vit tous actuelle, le télétravail et l'entreprise libérée. Est-ce qu'il y a compatibilité, puisque c'est quand même un sujet d'actualité aujourd'hui? Ah, oui. Oui. Qu'est-ce que je vous dirais? Lorsqu'on prend une équipe, l'idée, c'est qu'effectivement, l'équipe soit autonome dans son ensemble. D'accord? Bon. Donc, dans cette équipe, il y a des processus et sur chaque processus, vous avez des postes de travail. Bon. La question qu'on pose d'ailleurs, que le gouvernement pose, est-ce qu'un individu sur son poste de travail peut le faire à distance ou pas? Donc, c'est une question de moyens et c'est une question de la nature de ce qu'il fait. S'il travaille sur des objets, ce n'est pas possible. S'il travaille sur de l'information, on peut envisager effectivement de le déporter. Maintenant, dans l'entreprise libérée, ce qui évidemment est peut-être problématique, mais j'ai envie de dire, avec l'outil que l'on utilise aujourd'hui, pourquoi pas, au fond, hein, avoir en fait une équipe qui est une équipe qui est répartie, et simplement, ils se réunissent régulièrement, comme on le voit là. Ceci étant, je vous dirais honnêtement qu'une bonne relation humaine, quand même, le télétravail, c'est bien, mais il faut que les gens se rencontrent, quoi. On a besoin de cette relation-là, quand on travaille ensemble, pour les problèmes de confiance, quand on parle à quelqu'un, qu'on l'a en face de lui, qu'on l'a en face de soi, on peut parler d'une certaine manière, on ne pourrait pas le faire honnêtement devant un ordinateur. Il y a des confidentialités qu'on peut avoir de tête à tête, etc. Il y a des choses qu'on doit faire
tête à tête. On ne peut pas le faire via un ordinateur, ce n'est pas possible. Donc, à part ça, je dirais aujourd'hui, les gens font du télétravail. Il y a beaucoup de gens qui font, c'est déjà du télétravail. D'accord ? Simplement, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il y a confinement et télétravail. Donc, les gens restent chez eux et c'est une contrainte. Donc, ben, OK, les gens ne se parlent pas, n'arrivent pas à communiquer, mais ça vient de la situation. Ce n'est pas le fait en soi de faire du télétravail qui justifie que on est loin, on ne se parle pas. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la situation fait qu'on fait du télétravail et on le fait pratiquement en continu et on ne va pratiquement pas au bureau. Je dirais que si ça devait, dans une situation normale, perdurer, je crois quand même que les gens qui travaillent en télétravail pourraient très bien être dans une entreprise libérée, mais il faudrait qu'il y ait des points de rencontre physiques pour se retrouver, discuter ensemble, partager autrement quand même que sur un écran. Je crois que ça me paraît quand même indispensable. On reste quand même des individus, quoi. Ça semble difficile, effectivement, dans tous les secteurs d'activité. Moi, je pense notamment, déjà, par exemple, Amazon. Amazon, télétravail, ça semble un petit peu compliqué. N'est-ce pas ? On a des supply chain, des chaînes de production et tout ce qui concerne l'approvisionnement, etc., gestion des stocks. Oui, on a rarement fait passer un colis dans un câble. Hein, donc, Si, on peut envoyer une vidéo du colis. Bon. Oui, d'accord, mais pour... Le ramassage des poubelles. Oui, pareil, quoi. C'est tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas se faire en télétravail. Maintenant, on est d'accord. Ah, d'accord. Et puis de toute façon, les relations humaines, oui. On tient son mot, hein, relations humaines. Oui, non, mais c'est sûr. C'est pas vraiment compatible avec la vidéo à distance. Vous remarquerez que je n'ai pas dit ressources humaines, hein, les relations humaines. Hein. Absolument. Oui, Dominique, moi, je vois les choses un petit peu différemment parce que je trouve que, d'une certaine manière, on maintient les relations humaines, comme ce soir par exemple, ou dans bien d'autres occasions d'ailleurs. On arrive à communiquer également. Hein. Je trouve que c'est relativement intéressant, les médiums de communication tels qu'on les utilise là ce soir par exemple. Ça permet d'établir, peut-être, on peut se poser la question, est-ce que ça n'établit pas justement un nouveau style de relations humaines ou non, type d'échange ? Il ne faut pas confondre communiquer, on communique plus, et les relations humaines. Certes, on communique plus, mais ce n'est pas pour ça qu'on augmente la qualité de nos relations. Alors, je pense que le fait d'utiliser Zoom nous permet de pallier au fait qu'on ne puisse pas le faire physiquement. Mmh. Ça, c'est génial, ça c'est bien. Maintenant, je suis persuadé que Zoom, parce qu'il y a des tas d'entreprises qui ont des téléconférences, hein, qui le font régulièrement parce qu'ils sont en France, etc. Donc, ils le font. Et Zoom pourrait être un moyen plus facile parce que la technologie des salles de téléconférence, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter bonbon quand même. Hein. Oui, mais aujourd'hui, ça chute complètement justement avec ce qu'on utilise comme médium aujourd'hui. Exactement. On est dans une salle de téléconférence qui coûte… Voilà. Ben, les gens qui ont développé des sites de téléconférence, ben, ils peuvent se demander… comment ça va se passer demain pour eux. D'accord ? Mmh. Donc, c'est certainement un moyen, peut-être qu'un certain nombre de réunions qui se font, et vous savez qu'il y a beaucoup de réunions qui se font dans les entreprises, trop. Hein. Donc, peut-être que c'est un moyen, justement, peut-être de réduire le nombre et de le faire plus simplement à travers des outils comme Zoom. On se crée, par exemple, je parlais de réunions de groupe, ben, on peut peut-être, si on se trouve dans différentes régions, faire une réunion Zoom pour discuter d'une décision ou de quoi, et puis ensuite, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait des relations d'une autre nature. C'est donc un outil, de communication. Absolument. Voilà, c'est tout, c'est un nouvel outil. Si je prends sur une année, moi qui travaille en télétravail depuis très longtemps, si je prends sur l'année qui vient de s'écouler, je dois avoir au moins communiqué avec au moins 1000 personnes. Et j'ai des relations humaines avec très peu. Hein. Oui. Avec très peu. Même si je communique. Hein. Bien, ben, il va être 21h. Merci beaucoup. Merci. 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 On se met au balcon et on applaudit. Merci pour vos écoutes. C'est très gentil. Voilà. J'ai été très heureux d'intervenir chez vous. Et à l'occasion, je reviendrai. Oui, alors.
on va essayer de trouver ton livre sur Internet. Alors, il est chez, oui. chez il Amazon, est partout. Il est chez Amazon, il est chez Maxima, il est à la FNAC, on le trouve un peu partout. D'accord. Il manque notre moment de convivialité habituel, un petit verre. Voilà. Non, mais on fait autour de Voilà. Donc, ce n'est que de l'eau, mais ça. Ce n'est que de l'eau, mais c'est le bon cœur. Bon, moi, j'ai que du Schweppes. On avait un petit pot de champagne dans j'avais une bière infinie. La vôtre. Et à bientôt. Bien. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et portez-vous bien. Et portez-vous bien tous. Merci. Oui. Donc, l'enregistrement, je vais le mettre à disposition et je vous remercie tous d'avoir participé et en particulier ceux que je ne connais pas, bienvenue à nos conférences. Enchanté, vous aussi. Merci. Et à très bientôt, j'espère, on organise des conférences tous les mois. Voilà. Il faut aller sur le site Merci. Internet. Voilà. Il faut aller sur espacenumérique.org. Très bien. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir.